Écoutez, si quelqu'un m'entend, qu'il se monte, je veux discuter. Hello? Ça a cassé. Les araignées. J'ai renvoyé les araignées chez elles. Vous savez quoi? Tout considéré, j'ai l'impression que c'est votre entrée acrobatique sur le terrain où elles demeurent qui les a fait tomber du plafond. Qui êtes-vous? Je m'appelle Aspa Soldato. C'est vous l'Indien qui travaillait pour les Lockridge? Bien, vous êtes perspicace. Mais laissez-moi deviner ce que vous faites dans la vie. Vous êtes un privé, un détective privé. Oh, je ne suis pas devin. Je suis Higby. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas vu les pancartes? Ben, si, je vous cherchais, justement. Pourquoi? Voilà. Je travaille pour l'une des filles, Lockridge. Je suis venu ici pour en savoir plus sur la mort de leur père dans cet accident d'avion. Monsieur Soldat, c'est vous qui avez découvert la mère et les deux bébés, c'est exact? Oui. Très bien. D'après les journaux, l'un des deux bébés a été grièvement piqué par des insectes. Et c'est vrai. L'enfant aurait pu y rester. Je sais que ça peut avoir l'air un peu curieux, mais je désire savoir par quel genre d'insecte. La zoologie ne considère pas les araignées comme des insectes, ce sont des arachnidés. Elles ont été piquées par des araignées, est-ce que vous en êtes certain? Oh oui. Monsieur Soldat, ceci est très très important. Je vous en prie, dites-moi, lequel des deux bébés a été piqué? Oh, je suis désolé, monsieur Higby, je n'en sais rien. Les enfants étaient de tout jeunes enfants, je ne les ai jamais revus après que les soldats les aient conduits à l'hôpital. Vous allez en venir à toutes ces vieilles légendes indiennes, n'est-ce pas? Oui. La femme araignée, bien sûr. La femme dont on dit que périodiquement, en des moments de grande fatigue, elle prend la forme d'une araignée d'une taille démesurée. Et elle tue. C'est vrai, c'est exactement ça, c'est ça. Oui, des histoires de fous. Oh. Je conçois très clairement que vous ne croyez pas vraiment... Qui a dit que je ne crois pas que c'est vrai? Moi, ce que j'ai du mal à concevoir, c'est que vous, un habitant des villes, n'ayant jamais vu d'araignée de sa vie, c'est intéressant. De très bonnes raisons. Oui, je sais. Un détail. Les livres que j'ai lus étaient plutôt vagues à propos de ce qui arrivait après. Enfin, je veux dire... qu'est-ce qu'elles font? Elles meurent de vieillesse un jour ou quoi? Les légendes disent qu'elles sont virtuellement indestructibles sous la forme d'une araignée. Rien ne les atteint sous cette forme. Rien du tout? Non, rien, monsieur Higby. À une exception. Le feu.
Moi, je t'ai fait peur, moi? Oui. Mais c'est toi qui as failli me donner une attaque. Mais tu vas arrêter de crier, oui. Mais je ne crie pas, je n'ai pas crié. D'ailleurs, je ne crie jamais. Qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Je voulais pas te manquer. Je suis montée et puis j'ai dormi. Je suis navrée. Écoute, Marc, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je crois qu'Hélène Lockridge est la bonne. Comment ça, Hélène Lockridge est la bonne? Alors écoute, quand tu es partie, désolée de t'offenser, mais j'avoue que je ne te croyais pas en possession de toutes tes facultés. J'ai donc décidé de ruminer la question pleine lune. Je me suis dégoté un almanach et j'ai étudié les cycles lunaires, ainsi que les dates des assassinats antérieurs. Et devine ce qui est marrant, elles se conforment toutes au cycle de la pleine lune. Depuis le mari sur le bateau, jusqu'aux deux assassinats de cette dernière semaine. Ah oui, mais tout ça ne fait que confirmer les légendes, c'est tout. Écoute, à force de lire et de relire ces dossiers, je me suis rendu compte d'un détail important. Hélène a beaucoup voyagé, Laura est restée. Et alors? Igby, à chaque fois qu'un type s'est fait assassiner, Hélène Lockridge était en ville. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Laura aussi était en ville. Très bien, mais si Laura était coupable, il serait très normal que les meurtres se soient produits pendant qu'Hélène était en voyage, non? Très bien, Flaps. Écoute, puisque tu as tout découvert, continue ton speech. Parle-moi de Valérie Stéphane. Qui est Valérie? Est-ce que tu as vu Les Trois Visages d'Ève? Les Trois Visages d'Ève? Le film Les Trois Visages d'Ève. Ah oui, oui. Alors, imaginons qu'on ait affaire à une femme qui a un dédoublement de la personnalité. Elle prend un déguisement et elle se met à la recherche de ses victimes. Hein? Ce qui m'amène à la remarque finale, cette nuit est la toute dernière nuit de la pleine lune. Allô? Laura, ici Marc Higby. J'aimerais vous dire deux mots au sujet d'Hélène. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Il lui est arrivé quelque chose? Non. Non, 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 elle va très bien. Alors, que voulez-vous? Quand vous a-t-elle appelé pour la dernière fois? Ce soir? Hein? Dites-moi, est-ce qu'elle vous a semblé normale ou bien troublée ou quoi que... Elle était un peu nerveuse. Elle a dit qu'elle désirait me voir. Elle voulait vous voir? Et dans quel but? Ça, je ne sais pas. Elle a dit que ça lui ferait plaisir qu'on se réunisse et qu'elle viendrait à la maison. À Outcliffe. Laura, j'ai une question à vous poser. Et c'est très important. Qu'est-ce que vous savez au juste de la mort de votre père lorsque son appareil s'est écrasé? Seulement ce que notre mère nous en a dit. Pourquoi? Eh bien, d'après les documents... Avant que les secours n'arrivent, l'un des bébés, il s'agit donc soit de vous, soit de votre sœur, a été grièvement piqué par des insectes, des araignées. Est-ce que vous savez laquelle de vous deux a été piquée? Laura, vous savez qui a été piqué? Oui. Alors c'est qui? Vous? Hélène? C'est Hélène. Hélène? Moi un peu, Laura. À quelle heure vous a-t-elle appelé au téléphone? Il y a moins d'une heure de ça. Je veux que vous partiez de chez vous, tout de suite. Mais enfin, de quoi vous parlez? Croyez-vous que je devrais me méfier de ma propre sœur? Écoutez, Laura, partez de cette maison. Je veux que vous alliez dans un motel, en ville, où vous voudrez. Mais surtout, surtout, partez avant qu'Hélène n'arrive. Pourquoi? Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Partez, c'est tout. C'est juste pour ce soir. Demain, tout sera redevenu normal, Laura. Entendu. J'y vais. Bien. On se voit demain. Allez, couvre-toi, Flaps. On va la voir. Et je croyais que tu lui avais dit de partir. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas confiance en elle.
Thank you.